Allô, oui, c'est Saejima de la maison de production. Et en fait, je me disais qu'on pourrait trouver un moment pour se voir. Je suis plutôt très pris en ce moment. Hein. Enfin, en ce moment, entre les tournages et la post-production et tout et tout. Oui, pas de problème. Je lui demanderai un autographe dès que je le verrai, oui. Mais peut-être qu'on pourrait se voir avant, se donner un petit rencard. Je pourrais avoir un trou dans mon... Salut, Saejima. Je crois qu'en effet, tu vas avoir un trou. Salut, Eikichi. J'allais justement t'appeler, mais puisque t'es là, c'est super. Tu peux me dire quel bon vent t'amène? Y'a pas de bon vent, de joli vent et aucune autre connerie qui pourrait souffler, mis à part ce petit joujou. Et je crois qu'en guise de trou, je vais juste te faire un deuxième trou de balle. J'en dirais que tes paroles dépassent ta pensée. Il était bien gagnant, Stiken. Ne me dis pas le contraire. J'ai jamais été très doué pour les chiffres. Je me suis peut-être trompé. En même temps, je t'ai jamais vendu le gros lot, il me semble, non? Ça a un nom, ce que tu as fait. Ça s'appelle de l'escroquerie. Une troisième couille, dis-moi! Ça t'aiderait dans tes affaires amoureuses? Attends une minute. La violence n'a jamais arrangé les choses, mon ami. Je vais te donner autre chose. De l'or en poudre. De l'or en poudre? C'est quoi, ça encore? Tiens, tu t'embarques ça en douce et tu la revends. Tu peux en tirer rapido et sans risque plusieurs millions. C'est de l'excellente farine tamisée. Saejima! Il va encore me la mettre profond! Je vais le liquider et en faire des confettis pour Mardi Gras! Sortez-le de là! Onizuka, arrêtez par Elvis, c'est pas le moment! Laissez-moi! Je vais le crever ce ministre! Laissez-moi! Tu veux le battre? Viens, je t'attends, Ikichi! Je vais lui faire avaler son pétard par les fesses, cette petite créature minable! Si vous êtes prêt à mourir, alors tout peut s'arranger. Prêt à mourir, tu dis? Hé, hey, oh, Ryoji! Mille culasses, tu la sors d'où, ta super bagnole? J'espère quand même que t'es pas allé la chourer quelque part. Pauvre pomme à l'huile, aurais-tu oublié la chance que rencontrent parfois les gens? Tu te souviens pas, par exemple, l'appareil de muscu que j'avais gagné au concours de paix, hein? Oh, ne me dis quand même pas que le billet... Eh si, mon gars, j'ai remporté la super méga cagnotte, le gros lolo! Eh mais c'est à moi! C'est à moi qu'on l'a filé, ce billet! Et à moi seul, dans mon supermarché! C'est donc pour ça que cette caisse me revient de droit! Tu vois trop de films de karaté! Donner ses données et reprendre ses volets! Le système est le même que celui des cartes postales qu'on reçoit! Avec un numéro de loterie inscrit dessus, au hasard, on gagne! Tu rigoles ou quoi? Tu vas quand même pas comparer un truc de muscu avec une jolie Mercedes-Benz? Lève cette caisse! Où elle est? Bouge de là! Je dois aller la vendre et rapidos! Tu fais une seule rayure sur ma bagnole et tu le regretteras toute ta vie! Quand tu l'auras vendu, toi t'as intérêt à revenir ici pour me rembourser, espèce d'enfoiré de tarasse! Misère et peau de banane, on ne brise quand même pas une belle amitié pour une sordide question de pognon, non? Ça se fait pas!